Invitée de chez Jordan, ce vendredi 27 janvier 2023, la comédienne Grace de Capitani a révélé les coulisses houleuses de son départ de scène de ménage. Ce vendredi 27 janvier 2023, Grace de Capitani était l'invitée de chez Jordan, sur C8. La comédienne repérée par le grand public dans les années 80 grâce à la comédie Les Sous-doués en vacances, puis quelques temps après avec Les Ripoux, toujours réalisé par Claude Zidi, venait évoquer son actualité. L'occasion également de revenir sur son expérience durant les tournages de scènes de ménage. Elle avait effectivement participé à deux numéros de Primetime en 2015 puis 2017, où elle incarnait Martine, une amie de Raymond et Huguette. Il y a eu une mésentente entre l'équipe et Jean Benedigui, mais Grace de Capitani n'était pas seule lors de ses apparitions dans scènes de ménage, elle était accompagnée de Jean Benedigui, qui interprétait son mari, Norbert. Un compagnon de jeu, dont elle assure ne plus avoir aucune nouvelle, aujourd'hui. L'actrice assure pourtant avoir beaucoup aimé, participer à la série, parce qu'elle retrouvait Marion Guilhem et Gérard Hernandez. Une façon de dire que la compagnie de tous ses camarades n'était pas aussi sympathique. Grace de Capitani a par la suite confirmé qu'il y avait bien eu quelques tensions durant les tournages, je crois qu'il y a eu une mésentente entre l'équipe et Jean Benedigui. Si est-il ce qu'on m'a dit, a-t-elle expliqué à Jordan Deluxe, ajoutant aussi que si est-il la raison pour laquelle le tandem n'apparaît plus dans le programme de M6, ils ne veulent plus de Jean Benedigui. Il était très capricieux, regrette celle qui aurait aimé poursuivre l'aventure. Grace de Capitani espère son retour dans scène de ménage. Et d'ailleurs, Grace de Capitani fourmille d'idées pour voir son personnage retrouver un jour Huguette et Raymond dans un épisode de scène de ménage. Ils auraient dû me faire divorcer et épouser un jeune. J'aurais été une cougar, a-t-elle lancé comme un appel au scénariste. Et quant à savoir si le fort tempérament du comédien de 78 ans ne s'était fait ressentir qu'avec les équipes de tournage, ou bien si elle en avait aussi fait les frais, Grace de Capitani, qui n'aime pas dire du mal, répond par un simple lever d'épaule. Qui en dit long. À lire aussi scène de ménage, Raymond et Huguette bientôt remplacés par le nouveau couple. La réponse de M6.